שלום עליכם רבותיי, בשעה טובה ומוצלחת, יוסטרון פסח, אני זוכר דפובה פיניך, על הקהילת גבעת מרדכי, מסכת נזיר, זאת מסכת לה, כאילו די פר, אבל ירדכי פסיל, וכמותו נריב יר לפה, גם כמו סרנות חדר לדיני וטהרה, כמובן כאילו, ציין מסכת יא דקווה פרלי, זה פשוט בכלל. En tout cas, Baruch HaShem, dans la nizirut, c'est une suite directe de Nadir, de nedarim, Puisque dans nedarim ça concerne les engagements et Nazir, ça concerne aussi l'engagement spécifique sur le côté du vin, le côté de l'abstention pour pouvoir se protéger de certaines influences négatives. Et on avait appris que Stam nizirut, c'est Shloshim Yom. Et Stam nizirut, Shloshim Yom, ça veut dire que lorsque quelqu'un veut s'abstenir de quelque chose, il y a un minimum d'investissement, c'est 30 jours. Si on veut que quelque chose ait une influence sur nous, alors il y a un minimum qu'on puisse faire, c'est vraiment s'investir sur 30 jours. Et, euh, et la personne qui est d'être nazir, elle joue sur deux tableaux en même temps. D'un côté, elle est considérée comme quelqu'un de Kadosh, et d'un autre côté, elle est considérée comme quelqu'un qui a fait une faute. Et c'est la raison pourquoi un nazir, on a appris qu'il a amené trois korbanot, Il a amené Korban Ola, Korban Khatat et Korban Shlamim. Et le commande Khatat vient justement, comme il avait dit à Ben Kapara, que pour pardonner, comment il s'est abstenu de profiter des, des biens a il a mis dans le monde. Ça veut dire, d'un côté, le nazir nous apprend qu'est-ce que c'est, aller vers la Kdusha, De l'autre côté, le nazir dit attention, bah, il a créé un monde. Et ce monde-là, il n'a pas créé pour qu'on s'en abstienne, pour qu'on s'en retire. Ce monde, il a été créé pour qu'on en profite, sans exagérer. Mais le profit fait partie de la Vodat et comme le pourfi fait partie de la l'avodat Hashem, alors bon Hashem, Mama, je voudrais remercier tous les organisateurs et toutes les personnes qui ont participé à la qui vont qui ont à la J'ai vu que chacun est venu avec un sac, d'accord? Bon Hashem, c'est que kaviyachol, il y a cette notion là qui a aussi olam azé Le nazir qui fait l'abstention nous apprend aussi qu'il y a olam Azé quand il comment il prend le korban shlamim qui fait Bassov, il coupe ses cheveux, il se coupe les cheveux. Et avec les cheveux, il fait cuire le korban shlamim. qui le met sous la, sous la marmite et il fait cuire le korban shlamim. Et ce korban shlamim-là, qui va se faire partager avec toute personne qui veut faire inviter pour manger avec lui le korban shlamim. Ça veut dire que le nazir qui est parti de l'abstention va arriver après à quelque chose. Au contraire, il va faire participer à Olamazé les gens de son argent et des tovotes qu'il a fait. Comme j'ai dit, ça se terminait avec des, choses, des notions un petit peu dures de Thomas Vetahara, de Kabiachol, comment on peut déterrer un mort de là dans cette maserhet. On apprend tous les Afghanotes que pouvaient faire en Israël quand on déterrait des morts, Le, et que combien et certains euh, mouvements étaient vraiment contre et qu'ils allaient faire des Afghanotes, ils allaient faire des manifestations pour ça, parce qu'on voit que lorsqu'on a un kever, un bet kvaros, ça veut dire donc un cimetière qui est composé de minimum trois morts. On n'a pas le droit de les déplacer, ils ont, une, ils ont acquis leur endroit. Et les déplacer, c'est déranger les morts. Déranger les morts, ça risque de se retourner contre nous par la suite. Donc, toutes ces discussions-là, tous ces problèmes qu'il y avait, aujourd'hui, c'est plus ou moins stabilisé. Bon, Hachem, il y a une bonne relation, normalement, entre Hebra Ta'atikot, la Hebra qui s'occupe de l'archéologie, et l'Aïda Haridit. Lorsqu'ils découvrent un site et qu'il y a des ossements là-dessus, normalement, ils font appel à la Chébra Kadisha, ils font appel à la Kadisha pour pouvoir d'abord résoudre le problème. Donc il y a, il y a une certaine communication bah, entre eux. Mais à un moment donné, ce n'était pas évident parce que justement, il y a une notion de respect du mort. La notion du respect du mort, ça veut dire le respect lui donner son repos et ne le, pas le déranger jusqu'à ce que vient Riyatha Il y a une certaine particularité là-dessus, une certaine gdoucha là-dessus. Et on a terminé avec ces notions-là de kavirhol, comment essayer de comprendre la d'une personne comment on comprend la kedoucha d'Eret Israël et l'une des choses que, que m'a personnellement beaucoup impressionné c'est que d'Afka pour la kedoucha d'Eretz Israël on essaie de chercher plein de coulottes plein de coulottes pour qu'on puisse déterrer certains morts d'une façon honorable pour pouvoir purifier Eretz Israël pour que les gens en Eretz Israël puissent d'une certaine manière se permettre à euh, circuler librement et pouvoir manger tarot librement on va entrer au Beth librement. Ça veut dire qu'il y a une notion d'être métayer et Israël au maximum, donc de pouvoir construire des cimetières bien définis et comme ça, Be'ezrat Hashem, tout le reste d'État Israël, il va, il, il pourra continuer à être t'ahor. Et cette notion là de t'ahara particulière, d'accord, nous l'exprimons quelque part dans la Haggadah. Dans la Haggadah, nous disons, puisqu'on est proche de Pessah, nous disons Kadesh Uchatz et Achatz et après, on va dire pourquoi on trempe deux fois. Tremper deux fois, c'est qu'est-ce qu'on fait en vérité On se lave les mains pour pouvoir tremper deux fois. C'est tremper, quel est le problème C'est les dilemmes de Touma que, indirectement, on en parle ici. Parce que quand on prend un fruit et qu'on le trempe dans un liquide, à ce moment-là, il devient catalyseur de Touma. Quand il devient catalyseur de Touma, alors j'ai besoin de purifier mes mains pour. Ça veut dire que la particularité du Ham Israël, contrairement au Homotah Olam, c'est qu'il a, lui, une relation particulière avec l'environnement. Cette relation particulière avec l'environnement peut exprimer ou exprime la notion que je peux être tahor ou tamé. On a appris que le goy reste au même statut tout le temps. Alors que le juif, il a une notion de monter, ou chazbe shalom, une notion de descendre. Et pourquoi il a ces deux extrêmes-là Parce que le juif, il est mehalamazal. Toute la notion de Pessah, toute la notion de Kaviyachol, on va essayer de fêter, c'est d'exprimer qu'Am Israël, Israël il est à la mazal. Et comme Am il est à la mazal, c'est pour cela qu'il a cette interaction-là de Touma Vettahara, cette interaction-là d'être des fois en haut de la pyramide, des fois en bas de la pyramide, des fois des, des moments de, de, de réussite extraordinaire, comme des moments de difficulté très, très profonde. parce que justement, vous savez, quoi on termine la définition du nazir, du kadosh, on termine avec les morts, pour nous dire que ces deux notions-là font partie, kavi hall du Am alors, comme d'habitude, nous avons le sroute et le mérite que c'est les pirché, pirché qui comme on dit, les, ceux qui ne sont pas encore barmisva, qui nous permet à, permet à finir la maserrette. Alors, j'invite Yoshua à nous lire la Mishnah, la dernière Mishnah de la maserrette, et de nous l'expliquer comme il l'a déjà fait jusqu'à maintenant, Betsurah Mehodiafa, pour sommes si bien préparés. Alors, Bechavot, joshua, à toi la parole. נזיר היה ]你就... שמואל, הוא התחיל לנסה להורים. דברי רבי נאורי. אז רבי נאורי אומר ששמואל הוא היה נזיר. מי שאומר הרע אני כשמואל, זה אומר שמאמתי שהוא אומר את זה, אז הוא נהפך להיות נזיר. מאיפה רבי נאורי יודע את זה? שנאמר, מורה לא יעלה על ראשו. נאמר בשמשון הוא ונאמר בשמואל הוא מה מורה אמורה בשמשון נזיר? אף אמורה אף מורה, המורה בשמואל נזיר. אז בגלל שכתוב בשמואל, מורה לא יעלה על ראשו, וגם, בש, וגם בשמשון כתוב מורה, ומה שכתוב מורה בשמשון זה שהוא יהיה נזיר, אז כמו שבשמשון כתוב מורה והוא נזיר, אז גם מה שכתוב בשמואל מורה הוא גם יהיה נזיר. אז שואל אותו רבי יוסף, והלא אין מורה עלה של בשר ודם, הרי בכלל כל מה שאימא שלו התפללה שמורה לא יעלה על ראשו חנאי. כשהיא אמרה מורה לא יעלה על ראשו, היא לא התכוונה שהוא יהיה נזיר. התכוונה שהוא לא יפחד מבני אדם, מורה מלשון פחד, לא מורה מלשון הנזירות. אז איך אתה יכול לומר שמה שכתוב מורה זה, זה מלשון נזיר? אז הר, רבי נוראי אומר לו, ולא כבר נאמר, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני, שכבר היה עליו מורה של בשר ודם. אז אומר לו, רבי נוראי אומר לרבי יוסי, שכבר כתוב אצל שמואל, שקדוש ברוך הוא אמר לשמואל להגיד לשאול שנגמרה מלכותו. לא, לא, זה ללכת לישי, להמליך את דוד, ואמר, ואם שאול ידע, אז הוא יבוא וירצה להרוג אותי. אז אני מפחד ממה לפגוש את שאול. מפחד שהוא, אני אפגוש אותו ואז הוא יהרוג אותי. נכון. אז אם באמת לפי זה... לפי זה רואים שלא היה לו מורא מאדם. היה לו לא מורא מאדם. היה לו לא מורא מאדם. אז, אז זה אומר זה אומר שמה שאימא התפל... ש... שלו התפללה זה לא שיהיה לו מורא מאדם אלא באמת שיהיה לו נזירות. אנחנו רואים שזה לא היה מורא מאדם אלא נזירות. כי אם כן למה הוא מפחד? הוא מפחד שיהרוג אותו. נכון יפה מאוד חזק וברוך. נזיר נזיר, נזיר. Ok. Nazir qui maintient Naziroula même Ok. Maintenant avec votre permission, je suis le règle chaliar de Michael. Michael Micaël, je suis ton chaliar. C'est-à-dire donc le scrut, c'est le scrut de Micaël en tout ça. La Gemara continue. Amar Rabbi Chia, Béré. Viens, suis avec moi. Amar Rabbi Chia. Rabbi Chia, Amar Rabbi Amar Rab le Chia Béré. Rabil a dit à son fils. Chatov ou Barir. Quand il y a l'occasion de faire une bracha en l'occurrence de faire zimoun chope le prends le photo prends l'occasion de pouvoir faire la, le zimoun ne te dit pas non donne à quelqu'un d'autre donne à quelqu'un d'autre si tu as une possibilité de faire la bracha prends le au contraire les rabbins verraient comme ça dit aussi ravuna à rabat son fils khatof ou chope prend à l'occasion qui se présente et fait la bracha une fois j'ai déjà entendu que celui qui est heureux de faire zimoun il est égal à 1000 mm. aliotes chichi. Doué de le makor à mais je l'ai entendu d'un raf tunisien, le raf Madar à un bon petit gerbien de l'époque, enfin, qui est bon, presque à 120 ans pour lui, d'accord Mais qui avait dit que, être de faire le zimoun, c'est égal à, à monter 1000 fois chichi. Alors, euh, alors, le Zimoun, il ne coûte pas de l'argent. Alors que monter les chichis, ça coûte de l'argent. Donc, vous avez un moyen de pouvoir économiser un petit peu. Il, il, il attrape le... Il attrape le... Il, attrape le il, prendra, il prendra le cos et il fera lui le Zimoun. Mais il a d'abord laissé aux autres le Kavod. Quand personne ne va vouloir le faire, parce que chacun dira qu'il a un défaut, c'est David qui va le prendre en disant « J'ai un défaut et j'ai fait Tchouba. » Le corps de la Tchouba de David. « J'ai un défaut, j'ai fait, fait une erreur, mais j'ai fait Tchouba de cette erreur, donc l'Inaéle est barère. C'est matimli de faire la bracha. Le celui qui a fait le chouba, c'est matimlo de faire la bracha. tout ça. Il a payé cher, mon père. D'accord. Donc, Amaler Abuna Beret, les Ravabere, Chatov ou Barich. Tu as l'occasion de faire le Zimoun, prends et fais le Zimoun. Les Mémra d'Amevarechadif. Est-ce que tu veux me dire que ça veut dire que celui qui fait la bracha est préférable à celui qui dit Amen Parce qu'à le, le, l'époque, comment il faisait Un Birkat Amazon unique. Et j'ai entendu qu'il y en a encore. Certaines personnes qui ont un petit peu ce minage-là. En tout cas, il y en a un qui fait le birkat Amazon de la voix haute et tout le monde répondait avec Amen au birkat Amazon. C'est pour ça que Hall euh, il y avait une notion de à qui on donne le zimoun à faire. Quelqu'un qui est gadol, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui. Ça veut dire que les gens arrivaient à être concentrés pendant tout le birkat Amazon aussi. Hein. Ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui. À, à l'époque, c'était Kavirhol et donc ça veut dire quoi Qu'est-ce qui est préférable Celui qui fait le zimoun et qui est mévarek, le birkat Amazon à voix haute, ou celui qui va répondre Amen au birkat Amazon Lequel des deux, il a une plus grande valeur Alors, les chaora, de le ce qu'on vient de dire là maintenant, ça veut dire que le Mevarech, il est préférable. Mais et voici pourtant yamar que Rabbi Yossi, Omer, Gadol là on est Amen, il termine terminé Rabbi Yossi, il dit exactement l'inverse. Gadol celui qui répond Amen, plus que celui qui fait la bracha. Alors, comment tu peux me dire, toi, et Rabbi Yossi, c'est un Tana et toi tu es venu au nom de d'un comme parce que rav il a dit à son fils on peut dire rav tana mais rav il a dit au nom de son fils et en plus Ravuna, c'est va un alors comment c'est possible qu'il va contre une Mishnah beforachat rav aussi qu'il a dit que gadol yoter que je vous invite à venir le lundi parce que justement on est en train de travailler sur le amen el melech dans le et il explique là-bas comment c'est la base de la emouna le amen ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, ça va bien d'après Rabbi Yossi. « Gadol ha'oneh »« Amar le Rabbi Neorai, Hashamayim » Comme si c'est une chevoix, ah, comme si c'était une chevoix. « Kachu »« Teda » comme ça, tu le savoir. « Share » Comment ça marche ?« Share ha gulayrim midgarim ve v'giburim menotzrim. Comment ils faisaient à l'époque les guerres Qu'est-ce qu'ils mettaient en première ligne Est-ce qu'ils mettaient la, la Seiret Matkal en première ligne, est-ce qu'il mettait les meilleurs soldats en première ligne ou il les mettait en dernière ligne les meilleurs soldats Alors la technique de guerre de l'époque, c'est de mettre les soldats faibles en première ligne pour qu'ils commencent rien qu'à affaiblir qu l'ennemi. Bon, ils seront peut-être à voir aussi, mais en tout cas, ils affaiblissent. Et après, on envoyait les soldats vaillants, on envoyait après la Seiret, on envoyait après les commandos. Les commandos venaient en deuxième position. Oui, comme Hein tout, tout les... comme ça c'est les techniques de guerre de l'époque, comme à l'époque l'Avdi, de Napoléon, d'abord il envoyait le fantassin et après il envoyait la cavalerie la cavalerie qui était censée être le, 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 les soldats les plus rapides et les plus, les, les plus forts, il les envoie, après qu'il a d'abord envoyé les soldats, comme dans, dans on affaiblit d'abord un petit peu le premier rang, même s'il y a des dégâts chez nous, mais après on envoie les gibbons. J'ai entendu, entendu chez nous, Dakar, en Israël, c'est que d'abord mm. le, le roi, il allait devant. Le roi était toujours devant, ça c'est la différence. En Israël. en Israël. Dans, dans les armées israéliennes. Ouais. De, de... Et c'est un petit peu comme ça que, que Bichul Tzahal a voulu ouais. prendre aussi comme ouais. technique de guerre, ouais. que des Katsinavka, les officiers sont en premier rang. Et c'est pour ça que ça fait aussi beaucoup de problèmes, malheureusement. En tout cas, il dit qu'est-ce qu'on met On met, met d'abord les Midgarim, après on met... Les, les, les Giborim. Donc, d'abord, on met le Amen et après, on met le mevarech, Ou plutôt, on met d'abord le mevarech, on met d'après l'amen ça C'est la réponse d'Arabine et C'est la réponse d'Arabine et Donc, ça veut dire qu'on met d'abord. le en, Quand, quand Biyosim a dit que le Amen, il est chachoub, alors ça veut dire qu'on qu met d'abord le mevarech on met les faibles pour après mettre le Amen. Mais en vérité, Tanei, c'est une mahlok et Tanaïm. Qu'est-ce qui est le plus important Pourquoi De Tania, et Chada Mevar, Vechada One Amen, aussi bien celui qui aime mévarère, aussi bien celui qui dit Amen, et là, je me marime le mévarère. Aussi bien celui qui dit Amen, que celui qui est mévarère, ils ont les deux des souillons. Qu mais, qu'est-ce qu'a dit la Braïta Et là, je me marime le mévarère. On est mévarère. On, on, on préfère d'abord commencer avec le mévarère. Donc si on préfère d'abord commencer avec le mévarère, ça veut dire que la Braïta, que nous venons de voir là maintenant, met en valeur plutôt le mévarère, par rapport au Amen. Donc en vérité, c'est le Marlouin donc entre Rabbi aussi, et la Braïta... Ma Maintenant, dans cette il faut comprendre les deux mevarer chamei, ils ont de très grandes valeurs. Mais d'après la brayta, c'est bien de donner d'avka, au oh, mevarer, de prendre à la bracha, même si on ne peut pas répondre nous amen à la bracha, que les autres vont répondre amen, c'est une plus grande valeur. Alors que pour Abi oui. aussi, c'est l'inverse. A et là on finit, comme on va finir, comme on a fini aussi dans, dans Yebamot, on va on finit ici d'une manière un petit peu particulière parce que je ne sais pas qu'il y c'est pas ça, on n'a pas été machri à Bassov. On n'a pas tranché qu'est-ce qui est le plus important. Et pourtant, okay. il y a plus de stabilité dans le monde. Euh, okay. Si vous me permettez de faire une actualisation un petit peu, D'accord les manifestations quand elles sont arrivées à Brak, elle a pas tourné au vinaigre. Elle est plutôt, plutôt, plutôt passée un peu plus amicale avec le chant. Et avec euh, les rencontres qu'ils ont eues entre eux, mettre les définitions aux, aux manifestants, ça a été un petit peu le folklore par rapport aux manifestations qu'on trouve ailleurs. Et, et un petit peu comment Que Talmide ils mettent le shalom, et pourquoi ça Tous tes enfants, ils apprennent la Torah, Shalom alors c'est la paix dans tes enfants. La vraie explication pourquoi Parce que le plus gros problème qui existe au Bédéral. Dans, le, dans des familles c'est l'héritage. Comment s'arranger avec l'héritage Pourquoi Parce que chacun il veut essayer d'avoir sa part. Mais si on a affaire à des Talmides Rachamim et grâce aux Talmides Rachamim on peut venir trancher comment exactement faire l'héritage pour que ce soit comme il se faut al pi C'est pour cela que Rav Shalom Rav Shalom Banair, ça fait la paix entre tes enfants. les les Talmides qu'ils font l'héritage d'une façon qui s'occupe de partager les biens d'une façon la plus équitable possible suivant les règles que la Torah elle te donne, même si la fille n'hérite pas, mais il y a un moyen de faire hériter une fille, ce qu'on appelle lui faire acquérir, et chassim depuis le vivant du père. Donc les talmides, ha qu'on trouvait grâce à la grâce à ça, à pouvoir faire le shalom, c'est pour ça que le talmide raham amène le shalom à la Olam. Parce que si le shalom il doit commencer au rabotai, dans la famille. Et b'derkhal, qu'est-ce qui sépare la famille C'est des questions d'argent. Toujours les questions, comment on fait le partage, comment on hérite on s'occupe de tout ça et Là, les Khachamim, ils essayent de mettre le shalom dans la maison. S'il y a le shalom dans la maison, il y a le shalom dans leur olam. S'il y a le shalom dans un couple, il y a le shalom, les malades. S'il y a le shalom entre les parents et les enfants, il y a le shalom aussi, bah olam. Et c'est pour ça qu'on termine un petit peu avec cette notion-là. Parce que Kavirkho, en plus, discuter qu'est-ce qui est le zimoun ou le amen, les deux sont valables, et donc Bezra tachèm puisque les deux sont valables, que celui qui veut, qui veut prendre le Mebarer, il prend le Mebarer, celui qui veut prendre l'Amen, il prend l'Amen. Le Ika, chez et metli la Shamayn. Quand on est Kavanot pour servir à Kodesh Borou. Et quand on est Mechaven au Kavanot pour servir à Kodesh Borou, alors à ce moment-là, on est au de faire descendre le Shalom, pour parce que quand Takoj Borou descend, il y a automatiquement le Shalom qui arrive. D'où on voit ça, de Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah Quand Takoj Borou, quand ta Amisra est arrivé au Sinai, d'un on est arrivé qu'Yishechat Il explique un petit peu le, le Raphi'elan Comment est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Alors que on a vu dans les manifestations, comme il m'a dit là tout à l'heure, que dans, dans, dans les trains il y avait une qui montée, qui disait on est pour la réforme et d'un qui descendait, on était on est pour la démocratie quoi. deux mondes comme ça séparés. Mais, mais alors, comment on a pu arriver que dans matin-toi on a dit qu'Yishechat belevechad nasev lichema? Alors il dit le Raphi'elan tout simplement parce que Bahuchashem est descendu hors Sinai. Dès qu'un descend, devant un oui. on, est, on, on est tous égaux. Devant un tous nos différences disparaissent. Donc, quand on, fait, on arrive à faire entrer la à la maison, quand on arrive à faire entrer le shalom à la maison, on arrive à faire entrer un Kodeshbokhou et on arrive à faire entrer automatiquement le shalom ba'olam kulo. C'est pour ça que je termine donc de nouveau. Le shalom existe, mais marbim auto, qui devient un petit peu plus. On est tous ici, on est tous là pour apprendre. Quand on apprend la Torah, ça atténue nos midot ça atténue nos différends, ça nous permet d'être un peu plus flexibles et automatiquement, Rab Shalom Banach, ça fait la paix aussi dans le couple. C'est pour ça que s'il y a des femmes qui écouteront cette vidéo, le truc le plus important, c'est d'envoyer les maris aller étudier le soir. Comme ça, ils ont une possibilité de s'imprégner de Torah. Et quand ils s'imprègnent de Torah, quand ils rentrent à la maison, ils sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereins pour aborder les problèmes. Ils se trouvent à la maison et donc ça crée aussi le shalom. Banaïr, ça fait le shalom aussi dans le coup. Après, tu as le repas automatique. <laughs> <t 'un> la et prochaine qu'on attaque c'est Sota et je crois que c'est David qui va la faire le sioum même qu'il est pas là il avait il m'avait dit qu'il allait prendre sur lui justement de faire le sium pour la prochaine euh, Masachet Bezrat Hashem